Elle a commencé à s'intéresser réellement à la façon dont elle pourrait éventuellement intégrer son architecture, enfin son travail à lui, dans sa peinture. And I feel really grateful to be here. I feel like if you're going to have a solo show, it might as well be in Paris. Hey, that's right. And I feel so supported here. And I had a team of Italians and Americans and Parisians and everyone to come out and help me basically self-curate and put the show together. Et donc c'est incroyable d'avoir, enfin c'est formidable d'avoir cette première exposition à Paris, en France. Et elle ressent tellement de soutien depuis le départ ici, depuis qu'elle est venue la première fois il y a quelques années. Et jusqu'à aujourd'hui, elle a été incroyablement épaulée par une super équipe d'Italiens, de Français, enfin d'une équipe vraiment internationale. Et voilà, toujours eu ce soutien ici, donc elle est vraiment ravie d'être là ce soir. In Belgium. No. Winemakers too. Australian. For me, I feel very passionate about painting, and I feel that it's been the closest way for me to express myself even farther from acting. I don't know if it was a time in my life that I needed to express myself other than my own self, my face, my body. I needed to put it on the canvas, control it from beginning to end, and put it outside myself. I think it was sort of a catharsis. Alors, elle trouve que effectivement la peinture, c'est une façon d'aller encore beaucoup plus loin dans l'expression de soi que le fait de jouer, d'être comédienne. Et c'est presque une catharsis en fait. Elle est vraiment contente aujourd'hui de se plonger à fond dans la peinture parce que c'est vraiment une façon de prolonger, enfin d'aller beaucoup plus loin effectivement dans l'expression d'elle-même. So I just want to say thank you for coming. It's very nerve-wracking to have a first solo show, but I feel so supported here and everyone's been lovely. Lovely. Alors, elle voudrait remercier bien sûr tout le monde, tous les gens qui sont venus. Encore une fois, elle ressent vraiment un soutien incroyable ici. Ça a été formidable. Et bien sûr, remercier la mairie du 5e et monsieur le maire de l'avoir invité. Merci à Laurel.